C'est la première fois dans l'histoire de l'archéologie égyptienne qu'une mission archéologique chinoise prend place. Il s'agit d'effectuer des travaux d'excavation et de documentation sur le site du temple de Montou, situé au nord des gigantesques temples de Karnak dans la ville de Louxor. La première phase des travaux de la mission chinoise consiste à effectuer des fouilles expérimentales à petite échelle autour des parois extérieures du temple de Montou, suivi des travaux de restauration et de rénovation du temple. L'objectif principal de cette mission est d'effectuer des études et des travaux de restauration du site. La Chine dispose d'une technologie de détection et d'imagerie tridimensionnelle à distance, ainsi que d'autres techniques avancées d'analyse en intérieur qui permettront aux archéologues chinois de découvrir des trésors ensevelis. L'équipe chinoise se compose de 4 archéologues permanents et de 3 experts. Le côté égyptien a exprimé son espoir que la mission chinoise, qui dispose d'une vaste expertise dans le domaine de l'excavation, sera en mesure de travailler avec succès dans le temple de Montou, qui n'a pas vu de travaux archéologiques depuis longtemps. Nous voulons savoir comment le temple de Montou a été construit, à quoi il servait. Nous cherchons aussi à découvrir sa relation avec le temple de Karnak. Au début, nous allons nous servir des images tridimensionnelles pour enregistrer nos remarques, ce qui nous aidera dans le futur au cours des opérations de restauration. La présence de cette équipe chinoise fait suite à la signature en octobre dernier d'un protocole d'accord entre le ministère égyptien des Antiquités et l'Académie chinoise des sciences sociales. Les responsables égyptiens souhaitent que cette mission chinoise ouvrirait la voie à d'autres missions chinoises qui travailleraient sur d'autres sites archéologiques dans le pays des pharaons. Ce protocole d'accord entre les autorités chinoises et égyptiennes des antiquités vise à renforcer les activités culturelles et en termes de préservation du patrimoine entre les deux pays. Au cours de ces dernières années, l'Égypte a été le théâtre de plusieurs découvertes archéologiques importantes, comprenant des tombes pharaoniques, des statues, des sarcophages, des momies, des tombes et des sites funéraires. Achraf Masoud pour CGTN français.